c'est que ça? Je parie que c'est Lucien qui a oublié sa clé. C'est bête de vous donner des palpitations pareilles. Voilà! Mais voilà quoi! T'aurais mieux fait de pas oublier ta clé. C'est gai d'être réveillant sur ce quand on dort. Oh, je t'ai réveillé. Évidemment que tu m'as réveillé. Tu ne penses tout de même pas que je t'ai attendu jusqu'à cette heure-ci? Ah, tant mieux. Comment ça, tant mieux? T'es content de m'avoir réveillé? Mais non, 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 je dis tant mieux que tu m'aies pas attendu. Je te demande un peu si c'est une vie de rentrer à cette heure-ci. Oh, j'ai pas pu trouver de fiacre. Il fait un temps. Et avec des lanternes pour Vaugirard ou le château d'eau, on trouve jamais les lanternes de son quartier. Je suis sûre qu'il doit être des heures. Non, 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 il est à peine. Attends. Tiens. 4h10. Comment 10? Bah évidemment, la pendule retarde de 10 minutes. Oh, c'est pas possible, elle bat la breloque. Tout à l'heure, quand je suis passé devant la gare Saint-Lazare. Oh, oui, tu vas me dire qu'il était minuit. Non, minuit, non. Mais si, c'est une chose connue. Quand les maris découchent, les pendules de leurs femmes battent toujours la breloque. Oh, mais que t'es exagéré. Voilà que je découche à présent. Enfin, il était convenu que je rentrerais tard, puisque j'allais au bal des 4 arts. Je peux tout de même pas le quitter avant qu'il fût commencé. T'aurais mieux fait pas y aller du tout. Oh. Est-ce que c'est ta place? Qu'est-ce qu'ils ont dû penser de toi aux 4 arts en voyant en toi un homme marié? Je t'assure, hein. Ils sont même pas occupés de moi. Mais fais donc attention. Quoi? Et ton parapluie, tu inondes mon tapis. Moi? Et ton chapeau, là, il dégoûte. Oh, ouais. Je te demande pardon. Il ne peut même voir qu'il rigole. Il a bien de la chance, lui. Ah oui, 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 faites l'esprit. Oh non, la touche que t'as comme ça. Oh, c'est la pluie. Ah, oh, t'es jolie. Regarde-moi cette bague, d'où ça sort-il? Du magasin de blanc. Eh ben, ils peuvent y retourner. Oh là là. Mais enlève donc ton paletot, tu ne comptes pas coucher avec. T'as raison. C'est vrai, ça. Qu'est-ce que t'as? J'ai froid. Oh, t'as froid. Tu voudrais peut-être que je te plaigne. Mais non, mais tu me demandes, alors je te dis. Eh ben, ça t'apprendra à faire la noce. Qu'est-ce que tu fais dans la cheminée? J'essaie de nous réchauffer. Il n'y a pas de feu. Il n'y a pas de... Hein? Oh oui! Oh! Eh ben, l'habitude. Tu sais, comme quand il y a du feu, c'est là-dedans qu'on le met. Alors inconsciemment... Comme c'est peu charitable à toi de m'enlever mes illusions. Je commençais déjà à me réchauffer. Ah, tu te chauffes avec des illusions, toi! Eh ben dorénavant, mon vieux, pour ton feu! Oh là, bâtard! Non mais pensez qu'on est mariés que depuis 2 ans et que monsieur lâche déjà sa femme pour aller au bal des 4 arts. Je suis fatigué, hein. Tu me feras une scène demain. Oh, je te fais pas de scène, je constate. Oh, enfin! Si tu peux pas comprendre qu'un homme, pour pas s'encrouter, a besoin de tout voir, de tout connaître pour former son esprit,
Hein? Oh non, écoutez-moi ça. T'es caissier aux Galeries Lafayette. Oh, ouais. Si c'est ça qui peut te servir pour ta profession, de connaître le mal des quatre arts. Je suis pas que caissier. Je suis peintre. Des peintres? Du barbouille. Du barbouille? Absolument, tant qu'on ne vend pas au barbouille, est-ce que tu vends? Ben non, je vends pas. Évidemment, je vends pas. La belle malice, je vends pas. Je vends pas parce qu'on m'achète pas. Sans ça. T'as jamais bien peint qu'une chose? Ah. Ma baignoire au ripolin. Oh, ça, c'est drôle. C'est spirituel. Va, marche. N'empêche que je suis plus artiste que tu crois. Mais aussi en tant qu'artiste, c'était tout naturel que j'aille chercher des sensations d'art. Me dis que tu vas chercher des sensations, un point c'est tout, mais ne parle pas d'art. Oh là, tiens, tu me cours. Non, mais si te mandons une, si je te cours. Si te mandons une de tes sensations d'art. Mais absolument. C'est pas une réponse, hein. Si te mands une. J'ai que le choix. Par exemple, quand on a fait l'entrée d'Amphitrite. Ah, tu sais peut-être pas seulement ce que c'est que l'Amphitrite. Ah non, je sais pas ce que c'est. C'est une maladie du ventre. Quoi? Absolument. Une maladie du ventre? Mais c'est la déesse de la mer. Ah, je confonds. Je confonds avec l'entérite. Ça ne ressemble pas. Mais dis quoi, on peut se tromper, non? Ouais, enfin, quand le cortège a fait son entrée, ça c'était une sensation d'art. Un modèle admirable, entièrement nu, dans une coquille nacrée, portée par des tritons et des sirènes. Une femme toute nue? Oui, toute nue, oui. Eh ben, ça lui prend pas. Eh ben non, justement, c'est ça qui te trompe. Il n'y avait rien d'inconvenant. Ah bon? Eh ben, moi, je ferais ça, moi. Évidemment, toi. Oh ben, que c'est bête ce que tu dis. Enfin, quoi? Une chose est inconvenante ou elle ne l'est pas. Mais elle ne l'est pas quand c'est des modèles. Et celui-là, une ligne et des seins, comme j'en ai jamais vu. Ah ben je te remercie. Comme pour poli. Oh, parbleu, tu vas encore te formaliser, mais je dis pas ça pourquoi. Évidemment, les tiens sont très jolis. Quoi? Tu ne mets pas des seins de mauvais, hein? Ah, vraiment? Et qu'est-ce que tu leur reproches, hein? Qu'est-ce que tu leur reproches? Allez. Enfin, rien. J'en sais rien, moi. Bon, par exemple, là. Assez. Je te défends d'y toucher. Va leur toucher ceux de la dame, puisqu'ils sont les miens. Non, mais dis, qu'est-ce que tu leur reproches? Peu de choses. même en dessous, ils sont très bien. Je suis juste. Mais au-dessus, madame. Ça creuse un peu, alors. Ça creuse un peu. Mais oui, ça fait légèrement. En porte-manteau. Porte-manteau, mais c'est trop fort. Annette. Annette, levez-vous. Annette. Vous entendez ce que je vous dis? Oh, attends. Mais dépêchez-vous donc, voyons. Oui, ma. Arrête, là tu fais coucher la bonne dans mon lit. Non, t'aurais peut-être voulu que je reste toute seule dans l'appartement pendant que t'ailles faire la noce. Ah non, merci, moi j'ai peur. Ça c'est un comble. Annette, dans mon lit, mais où? J'ai couché où, moi alors? Eh ben là. Avec la bonne. Quoi, la bonne? Maintenant que t'es rentrée, la bonne montre dans sa chambre, tu reprendras ton lit. Ah non, mais enfin, je vais jamais de la vie dormir dans ces draps, jamais. Mais c'est pas ces draps, c'est les tiens. Mais coucher dedans, ça me suffit. Oh, naturellement, s'il s'agissait de coucher dans les draps du modèle tout nu, ferais-moi le dégoûter. Ah bah tiens, oui. Mais qu'est-ce que je disais? T'aimerais mieux ça, hein? T'aimerais mieux ça, espèce de... Barbe! Cochon! Oh! Allez, prenez un petit peu. Ah! Vous ne savez pas ce que dit monsieur? Non, madame. Il t'a donné mes seins en porte-manteau. Ah! Bien, madame. Pour lui raconter ça, tu veux lever la bonne. Mais parfaitement, monsieur. Je veux qu'elle te dise elle-même ce qu'elle en pense de ma poitrine pour te prouver que tout le monde n'est pas ton ami. Qu'est-ce que vous me disiez justement l'autre jour à propos de ma poitrine? Je sais pas, ma tante. Mais si, voyons. J'étais en train de faire ma toilette et je vous ai dit, c'est égal, il n'y en a pas beaucoup qui pourraient en montrer d'aussi ferme que ça. Et qu'est-ce que vous m'avez répondu? Ah oui, chétie, ça c'est frais, ma tante. Quand je vois les miens à beauté, on dirait deux pésasses. Oh,
Oh, mais oui. Mais quoi? Là, tu entends? Oh, enfin, qu'est-ce que ça prouve? Enfin, j'ai jamais contesté que tu eusses une gorge rare. Mais entre le rare et l'unique, il y a une marge quand même. Ah, vraiment? Eh bien, désormais, tu pourras en faire ton deuil de ma gorge. Oh, bah oui, là, hein, tout va. Non, pas touche! Je la garde pour d'autres qui sauront l'apprécier. Eh ben bon, bien, ça va bien, bien. Garde-la pour d'autres. Garde-la pour qui tu voudras. Pour le pape, si tu veux. Oh, mais la patience qu'il faut avoir. Ah, ah, allez, allez vous coucher. C'est pour ça qu'on m'a fait le fait. Oh, c'est pas moi, c'est madame. On aurait aussi bien fait de me laisser dormir. Mais c'est bon, Annette, on ne vous demande pas vos réflexions. Et puis, puisque vous êtes debout, vous allez en profiter pour monter dans votre chambre et rendre son lait à monsieur. Non, 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 d'abord, il change les draps et après, peut-être, je coucherai. Avec moi? Ah, non. Ah, bah, toi, tu coucheras où tu voudras. Mais ça, c'est le lit conjugal et j'y ai droit. Soit, mais tu sais, si t'espères quoi que ce soit, tu te mets le doigt dans l'œil. Pourquoi est-ce que je demande quelque chose? Eh, bah, ça se trouve bien. Ah! Annette, allez vous coucher. Monsieur! Allez, la Joconde, allez! Quelle boîte! Oh non, 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 ce serait trop raide que t'ailles t'exciter sur une autre et que ce soit moi après ça. Non, je ne joue pas les doublures, moi. Tu me raconteras ça demain. Je suis fatigué. T'as raison, au lieu de discuter, je ferais bien mieux dedans. Ben c'est ça, C'est égal. Je suis pas fâchée que la bonne t'ait rivé ton clou. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je m'en aille? Ah ben va-t'en si tu veux. Enfin, qu'est-ce qu'elle sait, la bonne? Ben, il est évident que s'il ne comprend de comparaison que sa poitrine à elle. Ouais, je t'accorde, oui, contre les deux. Oui, oui. Ah, il te faut l'avis de gens plus compétents. Mais, mais c'est très bien. Demain, nous avons le chef de rayon de la parfumerie Lafayette et M. Godot à dîner. Je leur montrerai ma gorge et ils donneront leur avis. Tu voles? Ouais, pourquoi donc? Tu dis toi-même que c'est pas inconvenant. Mais c'est pas inconvenant contre les toutes nues. Eh ben, je m'en mettrai toutes nues. Mais folle, elle est complètement folle. Je les ai en porte-manteau. Eh ben, c'est ce que nous verrons. Mais grâce! Grâce! Tu m'es étourdi avec des lardons, continuez. Ah ben qu'est-ce que t'attends pour te coucher? Tu ne peux pas rester en roi soleil pendant toute la nuit. Mais qu'est-ce que t'as encore? J'ai mal à l'estomac. Oh, allons bon, là autre chose. J'aimerais qu'Annette me fasse de la camomille. Oh, c'est bon, c'est bon. Attends, de la camomille. Ah, mais pourquoi tu gelais? Je peux faire ma commission moi-même. Mais non, 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 je voudrais pas que tu dises que je te laisserai crever. Non, je connais mes devoirs et je les remplis, moi. Annette! Annette! Oh! Annette, levez-vous. Ah, encore? Mais quoi encore? Qui encore? Que ça veut dire encore? Et faites de la camomille à monsieur. Oh, est-ce que tu peux embêter cette fille? Quoi? Dis ça par exemple, c'est moi qui l'embête. Est-ce que c'est pour moi la camomille? Est-ce que c'est pour moi? C'est pour mon souper, capa princi. Ah ben oui, c'est toujours la même chose. Voilà ce qu'on me rapporte à nous. Les indigestions ne servent pas les extérieurs. On ne trouve pas sa femme suffisante pour ses distractions, mais on la trouve assez bonne pour vous servir de garde-malade. Dis donc, ma chérie. Et quoi? Je serai bientôt près de la camomille. Mais quoi? Mais laisse le temps, faut que ça bouille, hein, tu sais bien. Et faut que ça bouille, tu sais bien. Quoi? J'aimerais vomir. Oh non, 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 tu vas pas vomir. Je t'ai pas épousé pour ça. Mais non, j'ai dit j'aimerais, j'ai pas dit je vais. Tu sais très bien que je peux jamais. Oh, mais ça, je sais, ça me fait pitié, Eva. Ah! Oh, merde. Faut pas encore autre chose pendant qu'on est là. Mais je sais pas, n'est de demander à monsieur, c'est monsieur qui est malade. Oh, j'ai mal à l'estomac. Aussi, si monsieur n'était pas allé faire le polichinelle dehors. Oh, bah non, vous n'allez pas vous mettre de la partie, vous aussi, hein. Oh, moi je te dis ça. Allez, allez. C'est bien, allez vous coucher. Ah, ça se fait bien. Oh, bah, ah, non, hein. Ah, si. Calme-moi, non, je parle à madame. Ah. Non, bah, enfin, si les domestiques s'en mêlent à présent. Me dis, je vois pas pourquoi tu l'attrapes, cette fille, elle a raison, si t'avais pas été soupé. Ouais, peut-être, mais en fait, ça ne la regarde pas. Bah, si je dois lui rendre des comptes à elle aussi, maintenant. Oh, je suis allé souper parce que j'avais faim, là. Et puis parce qu'il y avait M. Godot, les deux frères Espinck,
et qui m'ont proposé d'aller manger un morceau. C'est un crime. Mais non, c'est pas un crime, évidemment que c'est pas un crime. Et c'est idiot de manger jusqu'à se donner une indigestion. Ça a besoin de souper. Qu'est-ce qu'il a payé? Personne. Mais comment personne? Tout le monde, là. Chacun son écho. Ça m'étonne que ça bat toi, avec ta manie d'ostentation. Moi? Mais parfaitement, t'es rare dans ton ménage, mais du moment qu'il y a des étrangers, alors là, oh, la folie des grandeurs. Moi? Moi, j'ai... Alors ça, c'est la folie des grandeurs. Mais oui, y a qu'à te voir, y a qu'à te voir. En quoi te déguises-tu? En roi soleil. Oh. Je te demande un peu de mettre en roi soleil par un temps de pluie, mais c'est ridicule. Oh, c'est toi qui es folle. Seulement voilà, ça te flatte de pas paner en Louis XV. 14. Moi, 14. Le roi soleil, c'est Louis XIV. Eh ben, soit, Louis XIV. C'est bien toi, ça, tu vas me chicaner pour un Louis. Quand il s'agit pas de la cire, oh là là, charmant, parfait, magnifique. Est-ce que t'as dépensé pour ton souper? Est-ce que je sais? Tu sais même pas ce que t'as dépensé. £11.75 Là. 11.75 pour de la boostifaille. Voilà ce que je te disais l'autre jour. Merde! Mais l'autre jour, quand j'ai eu le malheur d'acheter un flacon de rose petit, tu m'as dit que je te ruinais. Et toi, tu vas dépenser £11.75 pour ton souper. Mais moi, au moins, mon flacon gelé, ma rose petit, j'en profite. Tandis que toi, ton souper, où est-il maintenant? Là! 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 T'es bien avancé. Comme si tu n'aurais pas mieux fait de les mettre de côté, ces £11.75 pour payer le tapissier, tiens. Je lui dois 800 francs. Tu me vois lui offrant £11.75. Au moins, tu lui aurais prouvé ta bonne volonté. Si je te parle de lui, c'est qu'il est venu aujourd'hui. Ah oui? Oui. Et il a dit qu'il en avait assez d'être lanterné et que oui. Si tu lui payais pas un fort à compte, oui. Ben, il était décidé à t'envoyer du papier timbré et ça ou gaffer la fanette. Tu vois comme ça fait bon effet. Il a dit ça? Eh oui! Ah, il fait du chantage. Bien, bien, monsieur. Moi, je comptais lui faire un versement. Quand? Bon, ben... Comme j'aurais pu, mais puisque c'est comme ça, il peut se brosser. Et tu vas dépenser £11.75 pour ton souper. Mais fous-moi la paix avec mon souper. Mais vrai, à ta place, je l'aurais sur l'estomac. Mais je l'ai, nom de Dieu, je l'ai. Et puis ne crie pas comme ça. Voilà une heure que tu m'éreintes avec tes discussions. Alors ça, c'est sans bouquet. C'est moi qui discute et c'est moi qui les rêve. Mais tu veux pas dormir, non? Si. Dormir. Le don de sommeil! Eh ben moi aussi! Bonsoir! Bonsoir! Les flûtes! Les flûtes! Ah, mon pied, voyons! Ah, mon pied, voyons! On ne pourrait pas lever pour un boulet de canon. Arriver quelque chose dans la famille? Ah, mais non, enfin, tu finiras par nous donner le trac, toi!
bois. Quoi? Oui, enfin, tu comprends. Touche du bois, je te dis. Oui, tu comprends. Touche donc du oui, bois. Oui, oh, voilà. Non, 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 pas ça, c'est du marbre. Hein? Oh, mais tu m'as brûlé et tu m'as hurlé. Là, voilà. Non, 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 avec la paume, oui, avec la paume. Ouh, tu seras cause d'un grand malheur. Oh. Mais oh, qu'est-ce qu'elle fait, cette Annette? Annette, mais dépêchez-vous. Ah. Oh, non, j'en ai assez, moi, je veux m'en aller. Madame me payera mon lit. Mais, allez donc, allez donc. Je ne veux pas trop faire la peine. Mais voulez-vous aller ouvrir, espèce de tête carrée? Voulez-vous vous dépêcher? Oui, non, me payera mon lit. Mais oh, c'est... Bonne, bonne. Qui c'était, qui c'est qu'elle a? Joseph, le nouveau valet de chambre de la mère de madame. Mais maman, oui. Il est arrivé quelque chose à maman. Il est arrivé quelque chose à maman. Arrête de crier, Clara. Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Qu'est-ce qui est arrivé à maman? Oh mon Dieu, madame. Ah oh, mais vous me répondez, voyons. Au lieu de regarder mon costume, il n'a rien d'extraordinaire. Un accident? Oh non! Ah, il n'y a pas d'accident. Seulement, elle ne va pas bien. Elle ne va pas bien? Mais quoi? Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle est malade. Oh mon Dieu! Ben, plutôt. Oh Lucien, oui. Lucien, maman est malade. Ah, allons, voyons. Maman est très malade. Oui, mais voyons. Et quand je dis très malade, c'est une façon de parler parce qu'à vrai dire, elle est plutôt. Elle est plutôt. Mais quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'elle est plutôt? Elle est plutôt... morte! Ah, ah! Voilà ce que je craignais! Seulement, on m'a recommandé de préparer doucement, madame, pour ne pas la révolutionner. Mais quelle catastrophe! Quelle catastrophe! Au moment où on allait se coucher. Madame! Madame! Ça, vous aviez bien besoin de venir nous annoncer ça. Mais monsieur, on m'a dit... Monsieur, on m'a dit... Aidez-moi. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Mon Dieu, mon Dieu. Allez chercher du vinaigre et des sels, le cri. Mon Dieu, ça ne sert à rien du tout, ça. Oui, monsieur. Libercotte, Libercotte. Libercotte. Ah, on porte madame sur le lit. Qu'est-ce que vous faites? Mais je la tiens. Enfin, vous comprenez de façon la tenir. Vous voyez pas qu'elle n'a pas de corset, non? Oh, si monsieur croit que je pense à des choses. Ah. Mais je me fiche, vous pensez. Je vous dis de lâcher ça. Regardez plutôt si c'est pas de l'éther, la petite bouteille près du lit, là. Oui, monsieur, oui. Et là, cette façon de dépoter ma femme. C'est pas là, pas là. La petite table est près du lit, là. Oui, monsieur, oui. Aïe donc, les draps. Aïe donc, les draps, oui. S'en est, monsieur. Très bien, donnez-nous. C'est ma femme, hein? Mon Yvonne. Mon Yvonne. Chut, c'est mon Yvonne. Yvonne. Mon Yvonne. Allez chercher un linge pour lui tamponner le front. Un linge? Où y a-t-il un linge? Mais j'en sais rien, mon ami, si je le savais, je vous le demanderais pas. Cherchez. Ah, ça! Ça a pas pu faire l'affaire. J'en sais rien, mon ami, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'une chemise de jour. Ah, oui, bon, ben, okay. Qu'est-ce que vous voulez, faute de mieux? Allez, mettez-vous à genoux. Yvan! Et roulez-moi ça en tempo. Hein?
Un tampon. Tu sais pas ce que c'est un tampon? Si, monsieur. Ça va bien, vous? Calmez-vous, mon garçon. Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. Prenez ça. Le bouchon, moi, je crois bien, non. De l'éther. Mais ça va, c'est bon, c'est bon. Franchement, vous savez, vous, hein. Tu aurais pas pu attendre demain matin pour nous annoncer des nouvelles pareilles. Si monsieur croit que c'est pour mon plaisir... Vous croyez que c'est pour le nôtre? Enfin bon, c'est... ma pauvre belle-mère, c'est très malheureux, bien sûr, évidemment. Enfin quoi, d'ici demain matin, je serais pas envolé. Hein. Et mon épouse n'aurait pas eu ça lui troubler. Et moi non plus. Je suis désolé, monsieur. La prochaine fois, je saurai. Voilà, ah, monsieur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est la salière. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? C'est monsieur qui m'a demandé du sel. Des sels? Pour de moules, pas du sel. Vous croyez vraiment que j'allais saler madame? Qu'est-ce que je sais, moi? Je suis pas médecin. Oui, allez, allez, allez. Oh, elle revient. Yves, tiens, mais écartez-vous. Passez-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a eu donc? Mais alors, pourquoi suis-je par terre? Ah oui, maman. Ah maman, oui. Ma pauvre maman. Allons, voyons. Ça pète, ça prétit, ça prétit. Allons. Un peu de courage, que diable. Tout espoir n'est peut-être pas perdu. Mais qu'est-ce qui peut arriver de plus puisqu'elle est morte? Oui, eh bien justement, le plus terrible est passé. Mais c'est vrai, il faut se faire une raison, se dire que pour ceux qui s'en vont, c'est la délivrance. Songe combien ta pauvre maman souffrait de ces rires. Ma pauvre maman. Oui, tu vois maintenant elle ne souffre plus, elle ne souffre plus. Et pendant que nous sommes là, elle a pleuré, debout. Elle se repose. Elle est bien heureuse, elle se repose. Et qu'est-ce qui aurait dit qu'elle s'en irait si vite? Eh ben oui, ben, tu vois, tu sais que même tout à l'heure, quand je me demandais comment payer le tapissier, ben je pensais pas. Maman. Ah, oui, ta pauvre, oui. Brave, digne, sainte femme de mère. Est-ce que j'ai mal au rein? Dis, mon Yves. Quoi? Tu voudrais pas t'asseoir? Mais non, quoi, m'asseoir. Quelle importance a-t-il que je sois sur une chaise ou par terre? Oh, c'est sous terre que je voudrais être. Ça me crève le cœur. Roma, quel cafard, quelle lampe parles-tu? Qu'est-ce que vous m'avez mis sur la figure qui me colle? Ça, c'est du français. Mais rien, ma chérie, c'est de l'éther. Quel éther? Qui était dans la bouteille? Mais c'est stupide, c'est du sirop d'éther, en voilà une idée. Du sirop? Du sirop? Oh, j'avais pas lu l'étiquette, je m'étais contenté de sentir. Ça, vous êtes malin, moi. Oh, d'ailleurs, que m'importe quand on a le cœur en croix. Vous m'apporterez simplement un peu d'eau, Annette, que je me débarbouille. Oui, madame. Oh, la pauvre chère femme. Te souviens-tu comme elle était bonne? Qui? Mais maman. Et pour toi, si pleine d'indulgence. T'excusant toujours, quand on pense que tu l'as bousculée, que tu l'as traitée,
Il y a deux jours encore, t'étais jusqu'à l'appeler Chameau. Non, non, mais comment tu peux te laisser aller à l'appeler Chameau? Enfin, mais je savais pas qu'elle mourrait. Voilà, c'est ton châtiment, Laurie. Oh mon Dieu, quel remords de penser qu'elle est partie avec le souvenir de ton manque de respect. Chameau, pas sa neige. Eh bien, que ta conscience s'apaise. Je connais mieux que quiconque quel trésor de miséricorde enfermait le cœur de maman. Aussi, je crois être l'interprète de son sentiment dernier en te disant « Mais va, Lucien, va, on te pardonne, on te pardonne. » Mais tu dors ! Hein ? Non. Si, si, pardon. Un peu de fatigue. Fatiguée ? Maman n'est plus, elle est fatiguée. Allons, allons. Attention ! Tout. Allez, tout. Oh. Est-ce que nous ne devrions pas déjà être là-bas ? Ah, on va... Naturellement, enfin, tu ne crois pas que nous allons nous coucher ? Ah bah, non. Oh, mais ma chemise de jour, mais où est ma chemise de jour ? Eh ben, je vous l'ai donnée, à vous. À moi ? Oui, là. Ah oui ! Voilà, madame. Comment ça, vous avez ma chemise de jour dans votre poche ? C'est monsieur qui s'en était servi. Pensez, ça, ma parole ! Mais dépêche-toi, qu'est-ce que t'attends pour t'habiller ? Ah, il faut... Oui, naturellement, il faut. Tu ne comptes pas aller là-bas en Louis XIV ? Bah non. Se mettre en Louis XIV quand on perd sa belle-mère. C'est rigolo. Mais vous trouvez, vous ? Allez me chercher mon costume en cheviote. Noir, cravate noire. Non, tu vas pas t'habiller comme ça. T'auras l'air d'avoir commandé ton deuil d'avance, ça se fait pas. Oui, t'as raison, c'est vrai. Celui que vous voudrez. Allez, là, mon plus gai. Le prune. Oui, monsieur. Non, mais c'est vrai, ça. Ah, ben non, tu penses pas? Non, je t'en prie, écoute. Tu changes de chemise ici, à présent, mais non, tu... En fait, tu vas pas te mettre toute nue devant ce domestique. Oh, si c'est pour moi, monsieur. Mais évidemment, c'est pour vous. Non, je perds ma mère. Voilà, Gaillard, si j'ai une chemise ou si j'en ai pas. On peut perdre sa mère et être convenable. Oh, tais-toi, va. Allez, venez m'aider, dépêchez-vous, hein. Quelle nuit. Heureusement, monsieur, que ça n'arrive pas tous les jours, hein. Vous êtes rigolo ? Ah ! Je sais pas tellement à quoi c'est dur, mais on voit que vous ici. Monsieur, fais mon service, monsieur ! Bon, alors, mon ami, vous allez m'aider ? Oui, monsieur. Vous êtes intelligent ? Oui, monsieur. Bon, alors, calmez-vous. Vous allez. Je ne sais pas, monsieur. Vous êtes malin. Voilà, avec ça, je sais plus ce que je voulais vous dire. Si. Non, mais je vais écrire. J'ai pas besoin de vous. Oh, pardon. Vous êtes sûr que ça va, vous? J'étais pas fier, allez, monsieur, en venant ici. C'est la première fois que j'ai l'honneur de voir monsieur et madame, mais vrai, j'aurais mieux aimé avoir à leur annoncer qu'ils avaient gagné le gros lot de la loterie des millions plutôt qu'une nouvelle pareille. Aussi, ça a été un rude pot de moi quand j'ai vidé mon sac. Mais vrai, je voudrais pas avoir à le recommencer. Vous m'empêchez d'écrire. Pardon. Annette. Oui, c'est vrai. Annette! Mademoiselle, monsieur vous appelle! Oui, madame, monsieur, tu peux bien attendre un instant, non? Oui. Ce ne sera pas long, monsieur. Madame a déjà sa chemise de jour. C'est parfait. Très, très bien. Non, mais. C'est trop fort, c'est. Oh! Mais qui vous a permis de fourrer
votre nez, là. C'était pour vous obliger, monsieur. Allez, vous m'obligez, monsieur. Bon, bah, taisez-vous. Donnez-moi plutôt mes vêtements. Mes vêtements, donnez-moi mes vêtements. Mes vêtements. Bougez-vous. Tirez-vous là. Tirez-vous là. Mes vêtements. Aidez-moi, mes pristines. Je vais entrer maintenant. Je suis désolé, monsieur. Lâchez-moi. C'est quoi, vous? Vous avez un fiacre là en bas? Oui, monsieur. Un fiacre? Oui. Bien. Alors, il n'y a pas de temps à perdre. Surtout que c'est un taxi auto. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est pas tous les jours fête, hein. Fête, hein? Mais non, enfin, vous comprenez ce que vous dites, non? Vous tiez un peu soin de moi? Vous tiez un peu... Non, pas les... Madame est prête? Bientôt. Qu'est-ce que vous me demandez? Si monsieur a besoin de moi. Non, non, non. Si! Si, si! Venez, ma fille. Alors, écoutez-moi bien. Il y a là sur la... Enfin, bon... Lettres. Mais pas vous, bougre de moule, pas vous. Vous comprenez pas? Alors, écoutez-moi bien. Vous allez descendre et les mettre à la poste. Maintenant? Oui, maintenant, oui, parce qu'il faut qu'elles soient distribuées demain à la première heure. Ça caille! Où allez-vous? Chef et maître, une échippe! Chipper? Chipper. Ah! Oh, une jupe! Dites une jupe! Mais vous pensez vraiment qu'on fera attention à vous, hein? À 5 heures du matin? Je peux parler comme ça en chipon, c'est pas correct! Pas correct, mais alors, mais tiens, waterproof! Je n'ai pas de waterproof! Oh, il y a mon manteau sur le bouton de la porte. C'est égal, c'est pas correct! Mais si, c'est bien, c'est très petit, oh, c'est bien! De quoi? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Que je suis une femme douteuse! Ben, vous savez quoi? Si on vous enlève, vous viendrez me le dire. Comme une grue! Grue, je comprends pas ce qu'il raconte. Alors, vous! Alors, c'est ça. Donnez-moi mon. Mes. Oh! Mes souliers. Oh. Elles sont pas au plafond, mon ami! Mais quel dégourdi, hein! Monsieur, ne s'expliquez pas! Oui. Mais bougez-vous! Aidez-moi! Aidez-moi! Ah. Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, ça va! Ça va! Aidez-moi! Qu'est-ce que c'est que votre voiture? Une Renault! Une Renault? Une petite rouge? Oh, mais tant mieux! Tant mieux! Ça va plus vite et c'est moins cher. Moins cher. Ah, c'est aussi, c'est de la veine de l'avoir trouvé. Ah, oh, oui, ça, c'est de la veine. Il n'y a pas à dire, nous sommes en veine. En veine. Eh bien, es-tu prêt? Presque. Vous avez une voiture? Oui, madame, en bas. Oui, oui, oui. Une Renault. Une Renault. Une petite rouge. Ça va plus vite et c'est moins cher. Moins cher. Voilà, moi je suis prêt, enfin. Et ta perruque, tu ne vas pas sortir avec ta perruque? Tu es malheureux, mais tu es malheureux. Oh mon Dieu. On me demande de partir, le courage me manque. Bah oui, moi aussi, qu'est-ce que tu veux, mais...
D'ailleurs, il y a de cruels devoirs dans la vie. Dites-moi, mon ami. Madame. Elle n'est pas trop changée, au moins. Oh non, du tout. Oh, ma pauvre maman. Dites-moi qu'elle n'a pas trop souffert. Oh, pas un instant. Elle était très bien portante. Elle avait mangé de bon appétit à dîner deux tranches de gigot. Oh, deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot. Deux tranches de gigot, oui. Après le dîner, elle avait fait deux ou trois patiences, puis elle était allée se coucher avec monsieur. Oh, ma pauvre maman. Monsieur? Maman était couchée avec un monsieur? Quel monsieur? Mais monsieur Fajolet, le père de madame. Mon père? Où ça, son père? Qui ça, son père? Ma belle-mère est veuve. Oh mon Dieu! Ah. Vous n'êtes donc pas monsieur et madame Pinvinette? Pinvinette? Non, madame, nous ne sommes pas les Pinvinettes! Est-ce que nous avons l'air de Pinvinette? C'est sur le palier droit des Pinvinettes! Eh bien, c'est pas le palier droit ici! Non, c'est le gauche! C'est le droit quand on sort de l'ascenseur et le gauche quand on prend l'escalier! Si vous aviez pris l'escalier comme tout le monde! Oh, oh mon Dieu! Mais quoi? Ah. Mais alors, il va falloir que je recommence à l'annoncer. Non, vous ne pensez pas que je vais y aller pour vous, non? Oh, recommencez, moi qui étais si content d'être débarrassé. Oh, t'as jamais vu un pari imbécile. Venez vous donner des émotions en vous apprenant que votre mère est morte alors qu'elle ne l'est pas. Oh, madame, je suis désolé. Mais tenez-vous donc. Mais voulez-vous me fiche le camp, je suis idiot. Imbécile. Brute. Bouillon. C'est pas de ma faute, monsieur, vous devriez être content. Content. Brute. Chameau. Oh, mais c'est trop fort, par exemple. Vous m'engueulez parce que votre mère n'est pas morte, je n'y peux rien, moi. Mais qu'est-ce que vous dites? Attends. Voulez-vous vous en aller? Attends. Oh, non. Je m'en souviendrai de celle-là. Eh ben moi aussi, ça fait. Foutez-moi le camp. Oh. 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 Oh. Foutez-moi le camp. Oh. Foutez-moi le camp. Foutez-moi le camp. Oh. 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 Mais quel bruit. Vous donnez des coups pareils. Oh. 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 Oui. La voilà ta mère. Elle a déjà fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce que je vais dire, moi, au tapissier? Oui, tu apprendras que ta mère n'est jamais morte et que tout ça, c'était une blague. Comment quand il apprendra, t'as pas le lui apprendre? Je lui ai déjà. Des chats? Oui, évidemment, parce qu'ils nous ont payé de cette. Oh! Ah, mais enfin, tu lui dis que j'allais pouvoir le régler, et bien tu la chantes. La tristesse de paix dans ma belle tête. Mais c'est trop fort. C'est trop pour tuer escompté, maman. Enfin, je pouvais pas penser que tout ça, c'était d'une blague. Mais chameau, hein. Chameau. Mais c'est maman que t'appelles chameau. C'est maman que t'appelles chameau. Oh, oui, alors, chameau. Ah, chameau. C'est maman. C'est un assassin. Chut. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le domestique qui vient de sonner à la porte d'à côté. Ah, c'est bon. Fou. C'est les voisins qui ont perdu leur mère. Ça, tu te réjouis du malheur des autres. Oh, tiens, quand je pense que ça va y être moi. Ça, bien là. Nous voilà bien. Voilà. Ah, c'est fait. Les lettres. Qu'avez-vous fait des lettres? Je les ai mises à la poste. Elle les a mises à la poste. Ah oui, ça, monsieur. Mais vous avez fait du joli. Qu'est-ce que vous avez besoin de vous presser comme ça? Non, mais c'est monsieur qui m'a dit. Oui, monsieur, je vous ai dit parce que tout à l'heure, la mère de madame était morte. Oui, et maintenant, elle ne l'est plus. Du Borcotte, ils sont fous. C'est pas maman, c'est la mère des voisins. Le domestique s'est détrompé de papier. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Que je suis contente. Je suis contente. Elle est contente. Non. Mais monsieur, lui, il regrette. Oh, non. Ah, il aurait été heureux d'enterrer maman. Mais enterrer, oh. Nom de Dieu. Quoi? Ma lettre à Borgnol. Quoi, ta lettre à Borgnol? J'ai écrit à la maison Borgnol pour qu'il vienne demain matin chez ta mère pour s'entendre pour le convoi. Tu fais ça? Mais oui. Bon, bienvenue! Il avait fait du joli! Ouais. Tu veux donc la tuer? Tu veux dans sa peau? Mais non, mais on en s'inquiète pour une dépêche de malade. Misérable! Il veut tuer maman! Il veut tuer maman! Ça suffit maintenant! Maintenant, ça suffit! C'est le moment de dormir! C'est le espèce d'assassin!
Madame, allez-vous, allez-vous te taire. Voyons, monsieur, madame. Il veut tuer maman, il veut tuer maman. Il dit que j'ai laissé un porte-manteau. Madame, il dit que j'ai laissé un porte-manteau. La barbe. Les petits saints, les petits saints du jardin. Les petits saints, les petits saints du jardin. Les petits saints, les petits saints du jardin. Les petits saints, les petits saints du jardin.